Soyez bénis. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 9 septembre 2020, le Dieu des cieux, Créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, m'a demandé de faire un don d'action de grâce en son honneur. Chers frères et sœurs, chers Togolais, c'est donc ce qui fait l'objet de notre rassemblement en ce lieu aujourd'hui. Le 10-10-20-20. Joignez-vous à moi pour lui donner honneur et gloire. À Dieu la gloire dans la vie du peuple togolais. Sur le Togo. À l'éternel le pouvoir sur le Togo. À l'éternel le règne sur le Togo. Tu es redoutable, ô éternel. Ta parole est comme un feu. Elle est avec Jouéné. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Il est écrit, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur. Rendez à l'éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'éternel est majestueuse. La voix de l'éternel brise les cèdres. L'éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La voix de La voix de l'éternel fait trembler le désert. L'éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille la forêt. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'éternel était sur son trône. Lors du déluge, l'éternel sur son trône règne éternellement. Éternel, face à toi, encore là, la mer s'est divisée en deux. Face à toi, encore là, le Jourdain a reculé. Et la toute-puissance qui te résistera impunément. Tu transportes soudain les montagnes et tu les renverses dans ta colère. Tu secoues la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Et le soleil ne paraît pas. Tu mets un seau sur les étoiles. Sors, tu étends les cieux. Tu marches sur la hauteur de la mer. Tu as créé la grande ours. L'Orient et les Pléiades. Et les étoiles.
toi. Tu fais vivre et tu fais mourir. Tu blesses et tu guéris. L'Éternel fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Il est écrit, après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Et qui lui dit, que fais-tu? Vous pauvres, démunis et indigents du Togo. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Aujourd'hui, nous Togolais, à travers cette action de grâce, en ton honneur, nous nous humilions sous ton autorité et que donnons toute la gloire. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te magnifions au plus haut des cieux. Afin que dans 20 ans, le Togo devienne un paradis sur terre comme tu l'as promis. Éternel, roi de l'univers, nous te donnons honneur et gloire au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Fais à l'homme le 10-10-20-20. Amen. Apôtre King Joshua Akoti. Amen. Voici Pena Yesu. Soyez tous bénis. Oyira Mikata. Ndabuwa Sina et Mao. Secouez le